J'ai l'impression, Jean-Mallory, comme pour Arabia Deserta d'Oti ou Les Sept Piliers de la Sagesse de Lawrence, le désert des déserts est le type même du livre unique, un livre qui aurait largement suffi à la gloire de son auteur. C'est vrai, mais l'homme est unique. Il caractérise cette Angleterre qui a aimé le peuple arabe, qui a su le découvrir dans sa personnalité religieuse, dans son audace. Et c'est en lisant, en effet, ce témoignage de Wilfred Thesiger que l'on comprend tout ce qui s'est passé après l'Égypte, ce souffle prodigieux qui a entraîné les nomades arabes à la conquête des mondes. Ce qui l'a marqué de façon décisive, c'est son exploration chez les Danakils. Bon, les Danakils représentent une des populations les plus cruelles de l'Afrique et il a décidé de vivre parmi ces nomades qui sont près des Somalis. Théoriquement, les Danakils sont musulmans, mais ce qui l'a tenté, et c'est bien là son trait dominant, c'est le danger. C'est ce goût du péril qui marque les grandes ce monde, les nobles. Et ces nobles, eh bien, c'est des Danakils. Mais ces Danakils avaient une réputation qui était terrible et qui constituait tout leur prestige. Et celle-ci était établie en fonction du nombre d'hommes qu'ils avaient tués ou mutilés. Et il suffisait pour établir cette prouesse de couper, de collectionner un nombre déterminé de testicules. Chaque homme tué donnait aux guerriers le droit de porter un nouvel ornement distinctif. Et c'est ainsi qu'il n'a pas hésité, très jeune, à parcourir ce pays que personne d'autre n'avait traversé avant lui. Il avait 23 ans. Quand on songe à l'opération d'Aqaba, eh bien, elle a hanté sans aucun doute. Et vous avez raison, André Velter, c'est un haut fait militaire prodigieux. Parti du sud de l'Égypte, il est arrivé au cœur de l'Éthiopie après avoir défait armée après armée, disposant de canons et d'avions. Vient ensuite l'aventure du désert des déserts. Il y va en tant que naturaliste chargé par la FAO d'étudier la migration des locustes qui ravagent la région. J'ai toujours trouvé ça assez ironique, la dénomination et le plan de charge qu'on lui avait alloué. Disons que c'est un passeport diplomatique. Oui. Mais quand même, ce qui est très intéressant dans la manière dont il se prépare pour ce voyage, c'est qu'il est bien sûr quelqu'un d'un grand courage, il est même capable de coups de folie, mais il ne part pas en aveugle, il prépare son voyage. C'est une exploration. C'est un officier. Il est en effet très précis, et on le voit dans ce livre, Les déserts des déserts, qui est un grand livre essentiel pour comprendre le Bédouin. Le Bédouin, celui-là même qui a en effet inspiré les Arabes de Mahomet, mais encore, il a le talent extraordinaire pour décrire. Il est très précis. Et pourtant, il ne veut pas être ethnographe. D'ailleurs, il dit « Je n'ai aucune autre ambition, mais... » Il observe avec beaucoup de détails. Puis enfin, il est capable d'être éloigné de ses propres mouvements vers ces hommes. Il en voit les faiblesses, le goût pour l'argent. Il sait être critique. Et enfin, c'est un écrivain. Et c'est un écrivain, il est parti, je crois, à Copenhague avec ses notes. Et très rapidement, ce livre a été écrit. Et ce qui me frappe en tant que... responsable de cette collection Terre humaine, c'est que c'est ce souci de ne pas être littéraire. Il avait aussi le désir d'être, ce qui peut marquer nombre des explorateurs, d'être le premier. Je citerai ce passage. En grande partie inexploré, ce quartier vide du sud de l'Arabie, du désert des déserts,
était l'un des très rares lieux au monde capable de satisfaire ma faim de découvrir ce que personne n'avait découvert avant moi. C'est dans ces espaces illimités que je trouvais la voie inhérente à toute solitude et parmi les Bédouins, la fraternité qui se noue généralement face à un monde hostile. Il y a des passages sur ces deux compagnons, hein, Bin Kabina et Bin Gavaïcha. Il y a une fraternité entre eux qui est de l'ordre, je dirais presque, ils se sont choisis. Ils se sont reconnus en tout cas. Ils se sont reconnus, jamais de familiarité. Des périls communs, un commerce silencieux. Et cette conviction qu'ils seront à jamais amis, c'est très arabe, l'amitié. Il y a là une solidarité, une fidélité qui est nouée à jamais. Et lui, c'est au-delà, à travers ses deux compagnons, c'est cette extraordinaire civilisation arabe. Vous vous en souvenez, lorsqu'il a quitté cette Arabie, il a une des phrases les plus poignantes que l'on puisse écrire lorsque l'on quitte en effet un être aimé. Tandis que l'avion s'élevait au-dessus de la ville, puis tournait pour prendre la direction de la mer, je ressentis ce que tout homme éprouve quand il prend le chemin de l'exil.